l'Olympique de Marseille. En proie à une crise de résultats sur le terrain, le club phocéen a connu une après-midi noire en ce samedi 30 janvier. Les supporters de l'OM ont procédé à une opération coup de poing à la commanderie, projectiles, fumigènes, caillassage, le chaos a chronologie des faits. Tout a commencé dans la matinée avec des bâches et banderoles à l'encontre du président Jacques-Henri Hérault déployé partout dans la cité phocéenne s'en est suivie la manifestation des fans qui a commencé en début d'après-midi aux alentours de 14h30 soit moins de 7 heures avant le match du soir face au Stade Rennais. Il y a occasion au match, toi Il n'y a rien eu. Aubameyang, 700 000 euros le mec, il prend. Lui, il rentre chez lui, il compte pas, il prend 700 000 euros. Nous, on met des découverts, on prend des 5 heures de route. Frère, à un moment donné, il faut respecter le maillot. C'est parce que tu t'appelles Aubameyang. que. Il comprend plus. Il a un d'avance sur l'occasion. Il a un d'avance, le défenseur, il lui prend le ballon. Oh, t'es Pierre, Emmeric, Aubameyang T'as 99 de vitesse sur Viva Là, c'est pas possible de Grenoble De Grenoble De Grenoble On se casse le cul Il n'y en a pas un qui joue, il n'y en a pas un qui court Réveillez-vous 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 T'as vu la stat un peu J'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. Franchement, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. On va se qualifier en quart de finale. On va exterminer Rennes, le reste, voilà. bagatelle comme dirait Fernandel. Ça fait, je crois, cinq matchs, c'est ça 5 matchs, 5 victoires. Mais c'est pas de moi de ne pas, pas réussir à compter les victoires. Mais je suis aux anges, en fait. Je suis aux anges. Oh, les gars Aux armes Aux armes Doublé aujourd'hui, doublé Villarreal, doublé euh, Montpellier. peut pas content de doubler, Pour moi, Obama, Obama Young fait complètement billet Sanchez. Up in the sky. It's a bird. It's a plane. No, it's Superman Homepage.com, the number one Superman fan site in the world. SupermanHomepage.com, covering the world of Superman from the 1930s to today. News, reviews, rumors, and reports. SupermanHomepage.com for all your Superman comics, TV shows, movies, cartoons, radio shows, and more. Everything you ever wanted to know about the man of et plus. Superman, homepage.com. Ok, 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 on est là pour la deuxième partie. On enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Comment ça va, les gens? Comment ça va? J'ai le temps d'aller me doucher, de manger, tout tout est bon, tout est bien, on est bien. Voilà, bon, on est un mode relax. Alors, j'ai ouvert euh, Beyond Geekology aussi, l'autre chaîne. Euh, pour Socrate, parce que le pauvre, il peut pas. Enfin, je vois pas ce qu'il écrit dans le chat à chaque fois. Donc là, je, 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 il peut aller sur Beyond Ecology et parler dans le chat comme ça. On le verra. On est trois. Euh, non, on est 24. Il y a 19 personnes euh, là pour l'instant. Ça commence. Coucou ma Lorraine. Lorraine, comment ça va Ça ne vomit pas trop, j'espère. Bon, 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 bon. Alors, on est là, on est là, on est là. De toute façon, partagez, partager, partagez, partagez. Alors, tac, bon, là, ce soir, c'est relaxant. Hein. On parle de ce que vous voulez. Moi, je voulais regarder une vidéo de Snyder avec vous, si vous voulez bien. Euh, Qu'on regarde Zakouné, ça faisait longtemps. Chez Joe Rogan. Euh, voilà, pour que ça, ça vient. Comment, tu, comment, comment dire ça vient, euh, cette vidéo confirmer ce qu'on se disait il n'y a, a pas si longtemps. Donc, euh, quand ça confirme ce qu'on se disait il n'y a pas si longtemps, vous le savez, moi. Voilà, voilà, j'aime bien J'aime bien <laughs> J'aime bien euh, ouais, c'est comme ça. <laughs> bon, alors, il y a qui Il y a qui Il y a qui y a qui y a qui Salut, K. Hey, Riyad, comment ça va Ça fait longtemps, Riyad Putain. Oui, ça va Coréjou. Socrate n'est pas là. Et on est isolé. Comment ça, vous êtes isolé Je ne comprends pas. Ah, Il faut que j'aille remplir ma gourde. Je ne comprends pas. Les gens qui écoutent et écrivent pas, je les imagine avec une cague. Oui, je te jure, Et eh, Franchement, je te jure. Des fois, eh, je reçois des messages. Ben, je... C'est qui la dernière fois C'est Martin, je crois. Hein Martin qui a gagné euh, le comics. C'était la première fois qu'il faisait un commentaire. T'imagines, le gars, il m'écoute depuis le début. Je ne sais même pas qu'il existe. Martin Bâton. <laughs> vous vous rappelez Le gars, première fois qu'il fait un commentaire, c'est pour le jeu, bim, il gagne. Eh, il n'est pas trop stylé, lui, il est stylé. Hein il est stylé. L'homme sans visage en finissant live. <laughs> qui c'est -ce que tu appelles l'homme sans visage, Alexis C'est qui l'homme sans visage No Face on est, on est sur Beyond Geekology. Ok, ouais, sur Beyond Geekology, vous êtes 5. Reviens sur Geekology, frérot. Reviens la nuit. Parce que là, j'ai les deux chats. Hein. J'ai les deux chats. Yep, depuis un moment. Les anniversaires tout. Ah, euh, vous parliez du live à, à David Ouais. Je sais pas, vous voulez qu'on regarde Oui, s'est chauffé, lui, d'un coup. Alors, alors, monsieur l'ordinateur, dites-moi, dites a priori, c'est fini. A priori, c'est fini. Friday, Geekology Nocturne. Beyond. Ah ouais, sur Beyond, vous êtes quatre. Eh, hey, mais je suis ghost, hein. Je, je vous le dis, ma chaîne est shadowban sur YouTube. <laughs> C'est-à-dire que là, je suis sur un autre compte et euh, je vois euh, Beyond Geekology, je le vois, je vois quatre spectateurs. Ouais, pas de problème. Euh, en revanche, je vois pas, il ne me propose pas euh, Geekology Comics. Je crois qu'on nous a shadowban, les gars. On a été shadowban. Et le capitaine, j'arrive tactiquement à rentrer. Il y a un peu de... Oh, tu voir Zazie. Elle est cool, Zazie. Hein Elle a des bons icônes, c'est tout. Moi, je l'aime beaucoup, cette femme, parce que je l'ai rencontrée. Sinon, j'aime pas sa musique. Tu ne n'est pas objectif. Ouais, je l'aime beaucoup, mais c'est parce qu'en fait, je l'ai rencontrée. Et euh... Mais en fait, j'aime pas sa musique, en fait. <laughs> à part Zen, je me cure le Zen. Du sang-froid dans les veines, je me cure le Zen. <laughs> Ah putain, VD4V21, le blaze et ça fonctionne encore dans le moteur de recherche. Ouais, peut-être, Beyond. T'as peut-être raison, je sais pas. Eh, c en fait, j'avais pas remarqué ton... ta, ta photo de le truc fin, hein ces trucs d'histoire sans fin. J'adorais ce truc-là. Turn around, this is what you see in your face. Euh, euh, il faut que tu tapes ton nom pour avoir ta chaîne. Ouais, mais normalement, tu sais, dans les euh, dans les propositions YouTube, pouf, tu vois, et je pop-up dans les lives. Tu sais, tu mets en direct, et puis j'y suis. Là, si je vais sur en direct, j'y suis pas, sa mère. Je vois le live de Gary. Je vois y a un live sur Alf sur, sur Melmac on mange les chats. Je vois le live sur Beyond Geekology, mais je vois pas le mien. Je te jure, on nous a Shadowban. Ah voilà Socrate, tu vois, j'ai ouvert Beyond pour que tu puisses parler. Mais je te jure, on nous a... je suis Shadowban. C'est un truc de baiser, hein. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave, YouTube. C'est de bonne guerre. Euh, l'autre doit ouais, être le chat pour toi tout seul de l'autre côté j'ai ouvert pour toi tout seul j'ai ouvert je suis en train d'utiliser de la bande passante de youtube juste pour toi dans le roman c'est lion blanc et atriou ouais c'est ça une sorte de hobby de verbe le atriou oh. quand le cheval il est mort j'étais triste j'étais triste le cheval d'atriou Bon, les petits piupioux, vous voulez parler d'un sujet en particulier, vous voulez qu'on qu insulte, vous voulez des dossiers, vous voulez quoi qu on, lance, on, on lance un bad buzz, qu'est-ce qu'on fait On se met dans la sauce, qu'est-ce qu'on fait Dites-moi. Un truc qui fait bouger un peu YouTube, là, je sais pas. Posez des questions, je réponds. Ma commande Burger King est en route. Frérot, es passé de euh, orthorexie à malbouffe. Calme-toi. Il y a un juste milieu, frérot une bonne petite euh, je sais pas une bonne petite entrecôte avec une petite salade avec des petits, des petits oignons frais tu vois un truc stylé quoi ce soir tu sais ce que j'ai mangé j'ai mangé des filets de merlan hein, des filets de merlan avec des pommes de terre et de laïoli. et une, un petit bouillon de bisque de homard c'était presque une bouillabaisse vraiment ah j'ai mangé ça avec du saumon et tout j'adore le poisson j'adore le poisson ah, mais le gars il est passé de orthorexie car hein. je mange n'importe quoi putain Balance des dossiers. Vous aimez le sang, bande d'enculés. J'aime ça, j'aime. Ma commune. Vous voulez savoir quoi Allez, des dossiers sur quoi Allez, vas-y, balance. De l'OM, peut-être. Vas-y, frérot, je parle de l'OM tous les jours, moi. Il faut aller sur ma chaîne TikTok si tu veux m'entendre parler de l'OM ou sinon. Euh, là, on a fait une émission sur e Sport. Euh, D'ailleurs, on a fait une émission sur e Sport, sur le supporterisme. Donc, on a parlé des supporters de Marseille. Euh, et euh, lundi. On reçoit Stéphane Porato, l'ancien gardien de l'Olympique de Marseille. Voilà. Comme ça, si tu veux qu'on parle de l'OMBL, tu, tu vas être servi. La grande mère tortue des <laughs> Je voudrais parler de Judo Boy pour, pour faire peur à un pote qui dort près de moi. <laughs> Je voudrais la phrase de Judo Boy. Judo Boy, et tu te bats Judo Boy, espion de cuisine culinaire. Comment il va, mon chef Gusto Ça va bien Eh oui, bon, bah on raconte le Benfica, les gars. C'est le match que je voulais, en fait. Tu sais ce que j'avais envie de jouer J'avais envie de jouer des classiques. Genre, OM Benfica en quart, c'est un classique. En demi, je voulais... OM, il a assez, mais c'est possible qu'en finale. Mais non, mais c'est aussi un classique en finale. Donc, euh, c'est donc cool. C'est cool, c'est cool. C'est cool. Par contre, OM Liverpool, pff, en demi, c'est chaud. Hein. Merci, il pionne son corps. boy, et tu te bats Jude boy, et tu te Jude boy comme un samouraï. Et ouais, c'était l'époque. Tu connais la série Le Prisonnier Ouais, je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre. Et, et as-tu entendu parler du problème remake Panolan, supposément avec Cavill, encore. Ok. Le Prisonnier. Bon, mais écoute, hein. Ouais, j'aimais bien cette série. Quand j'étais petit, je regardais avec mon père. Avec mon père, je regardais Le Prisonnier, je regardais euh, Mission Impossible, mais le vrai là, tu vois. Je regardais Star Trek. Et je me suis rendu compte que je savais plus siffler. Je sais siffler en aspirant, mais plus en soufflant. Par contre, comme ça, je sais. Comme ça, je sais. Ouais. Ouais. Comme ça, je sais plus. Ça ne marche plus. Bon les gars, je fais de l'apnée du sommeil, ça craint. Donc j'ai acheté une, une orthèse mandibulaire. Je sais que vous n'en avez rien à foutre, mais j'ai envie de le dire. Et donc je dors avec un truc dans la bouche qui enfonce ma mâchoire. Et donc du coup, je ronfle plus, je fais plus d'apnée du sommeil. C'est bien ou pas Voilà, je voulais je... voilà. On parle de tout dans les. Euh, mais fais, du ka... fais du karaté. Moi, je te jure, Judo Boy. Il fait du karaté, mais il s'appelle Judo Boy. Mais ça, c'est fils de pute qui, qui traduisent en français les, euh, les dessins animés. Hein. Ah, mais c'est. Euh, je te le dis, moi, en vérité. C'était du grand n'importe quoi. Ben, rien que pour. Rien que, tout à l'heure, bon, si vous étiez là pendant l'émission Superman, vous saviez que quand Superman a été diffusé la première fois en France, il s'appelait Jordi. Je m'appelle Jordi, j'ai une cache j'ai un gros slip. Tu as perdu combien de kilos oh, Je ne sais pas, Socrate. En fait, je ne calcule pas en kilos, je, pars, je, je calcule en masse graisseuse. L'objectif, c'est 110 kilos de muscles. Ça, c'est l'objectif. Là, je dois être à 110 kilos, <laughs> mais il y a du gras. <laughs> Le but, c'est 110 kilos de muscles. Donc, l'objectif, ce n'est pas de perdre du poids, c'est de mincir. Mes Captain, si tu regardes bien dans le Smallville, il y a les deux S. Celui classique. Ouais. Dans le dernier épisode, ils sont partis en couille, frère. Je te jure, ils sont partis en couille. Oh là là. Entre le. Tu sais, le costume que lui file son père, là. Dégueulasse avec le S. On dirait qu'il est en bois, tellement ah bon, il est lourd. Et tout ça, ouais. Le prisonnier, excellente série critique, ça. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Oh, when the Saints.

Il y a moyen de me faire monter avec Corée de Joua. Ça dépend de quoi vous voulez parler, les gars. Moi, hein voilà. là, voilà, j'étais parti plutôt pour faire du, du vidéo réaction. Jordi, volait pas son daron. Son Beyond. Le truc qui m'a fait regarder Smallville, c'était une image de Clark crucifié dans un champ avec un S sur son torse. J'étais intrigué. Exact. C'est une image culte et, a... et c'est dans le premier épisode, je crois. Dans le premier épisode Yukai D, Da. Moi j'écoute modo. And why polizai. Très jeune guerrier. Et qui joue les ennemis? C'est intéressant, point de vue symbolique. Ah ouais, je me rappelle. Super ton émission avec Nora. Merci Poto. Merci Poto. Merci, merci. Merci, on, a bien rigol on rigole trop avec Nora en fait. Parce que vous, vous ne voyez pas l'avant et l'après. <laughs> Quoique l'après, là, les gens l'ont vu parce qu'on était sur TikTok. Euh... J'en ai marre, là. Oh, bien, je veux bien que je sois à la campagne, ma, mais les pertes de signal, là, comme ça. Euh... Ça suffit, ça suffit, les paires de signal, là. Monsieur Internet, ça suffit. Oh. Très bien. Un... Là, hein, l'antenne, je la mets où Je vais la coller au mur, frère. Vous êtes là J'ai entendu -ce « tégédou ». Qu'est-ce qui s'est passé Bref. Alors, moi, mon jeu préféré, c'est « Tenter les femmes avec la nourriture ». Mais sûrement le démon de la tentation. Ah, et de la nourriture, frérot. T'as souci, si tu veux dire. <laughs> Salut Axel, comment ça va Je découvre ta chaîne Geek au dernier live de Nora. J'ai beaucoup de vidéos à regarder. Alors, Axel, je te préviens tout de suite. Euh, ma chaîne Geek, euh, c'est moi dans la vraie vie. <laughs> Donc, n'aie pas peur s'il y a une différence de ton, moi, Axel. OK C'est-à-dire que sur, sur chez Nora, je, je suis sérieux. C'est sa chaîne. Je ne veux pas, tu sais, voilà. Ici, il y a plein de trolls. J'insulte des mamans. Ne t'étonne pas qu'il y ait une différence entre le Cyril de Nuria TV et euh, Captain Morpheus sur ma chaîne. Ne t'étonne pas. Je préfère te prévenir, c'est tout. Si tu entends des gros mots ou que tu vois que je suis dans l'ego, c'est totalement volontaire. Hein, c'est comme ça que je nourris mon ego. <laughs> J'insulte des mamans. C'est pour ça qu'on m'appelle le Mill Funter, hein, parce que je nique des mamans. Voilà, c'est juste pour ça. Voilà. Alors. Avons-nous affaire à faire un cap ou à une projection holographique sophistiquée Les deux. Les deux. Nous sommes dans un univers holographique. Donc ce que tu vois, c'est non pas ce que je suis en réalité, c'est-à-dire plein d'atomes tenus par un champ électromagnétique, d'accord Si tu voyais au niveau subatomique, je ressemblerais pas à ça. Mais ce que tu vois, c'est le raccourci que fait ton cerveau. C'est l'image que projette le cerveau dans ton esprit avec ce qui capte donc euh, voilà alors ah j'adore les questions de Rudy Rudy c'est mon poteau il pose des questions de ouf alors attention attention salut Cap dis-moi tu es plutôt team Metalero, XOR Charivan Shader Jaspion Spilvan, ou tir sur Parcentai Bioman Flashman Maskman la... Ouh ouh. Euh, je suis un fan mais incontesté de Bioman le premier tu vois Et pourtant, les, les autres, ça ne m'intéresse pas. Je dirais que je suis... Tu... Ouais, je serais plutôt métal héros parce que tout ce que tu as dit en haut, là, XOR, Charivan, Shader, tout ça, je kiffe. Franchement, je kiffe. Mais Bioman, pour moi, il n'y a jamais rien qui a battu Bioman. Voilà. Pour moi, c'est le meilleur Sentai de tous les temps. C'est Bioman. C'est celui-là. Il n'y en a pas d'autre. Voilà. Pour moi, c'est celui-là tu peux prendre tous les Power Rangers réunis, il n'y en a pas un qui vaut Bioman. Voilà. Donc, euh, c'est donc ça. The Sigma. Salut Les Nuréens doivent être choqués en venant ici. Ah bah ouais, Sigma, c'est pas le même. Mais tu sais, c'est ça le problème. Tu sais, il y a des gens, ils ne me connaissent que sur nuréa et les gens, quand ils me voient ici, tu vois, c'est différent. Tu sais, à un moment donné, on m'a accusé, entre guillemets, par rapport au sujet dont je parle, que je parlais de sujet sectaire, tu vois, parce que... Je parle d'anciennes civilisations, de, de théologie, de tout ça. Donc les gens, ils ont cru que... Et puis les gens, ils sont venus sur ma chaîne geek et ils ont vu que pas du tout en fait. Tu vois, c'est en fait c'est euh, c'est vrai que Captain Morpheus ressemble plus au Cyril de tous les jours, euh, le Cyril conférencier qui va faire des conférences sur, euh, sur des sujets, on va dire un peu métaphysiques et tout. Euh, il est un peu plus sérieux, même si j'essaye de rester moi-même. Mais l'auditoire est trop psychorigide de l'autre côté, tu vois. Donc, euh, donc voilà. Hein. Non, 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 une fois, il y, y a même TF1 qui est venu me voir il faisait un sujet sur les sectes. Et quand ils m'ont vu, ils ont fait Ah non, on s'est trompé, monsieur. <laughs> Ni que toi. <laughs> c'est rigolo. C'est rigolo. Donc c'est bien la preuve que, voilà, ne faut pas juger un livre à sa couverture il faut regarder à l'intérieur. Et ici, les gens, vous êtes à l'intérieur du livre. Vous êtes les élus. <laughs> Je parle comme les gourous t'sais. vous êtes les élus. Vous êtes les gycologues, la secte gycologie. Ouais, donc voilà, non, c'est vrai, je suis d'accord, Sigma. Il y, y, y a un petit choc culturel. Parce qu'une fois, tu sais, j'avais fait une conférence sur euh, les origines de l'ego, tu vois, dans la psychologie, dans, tu vois. Et les gens, ils étaient persuadés que comme je faisais des conférences sur ces sujets-là, j'étais un mec euh, propre sur lui, quoi. Tu vois, euh, namasté, quoi. Euh, développement personnel. Ils sont arrivés sur ma chaîne, ils ont mangé un choc thermique. <laughs> ils sont arrivés ici, ils ont dit, mais en fait, non. Mais moi, je, moi, je suis pour, justement. Euh, ça n'empêche ça, ça pas de se cultiver, mais qu'on qu soit relax, quoi. Voilà, moi, je c'est pour ça que j'adore être avec vous, parce que je trouve que ma commune, elle me ressemble. Vous êtes tous tarés, en fait. Donc, euh, voilà, quoi. Charivan, ce chef-d'œuvre. Ah oui, charivane. Live Man avec Dr. Kemp, magique, c'est vrai, c'est vrai. J'avais, et franchement, il faudrait que je les retrouve chez ma mère, mais je les avais tous. Hein. J'avais Shader, Sharivan et Gavan. Je les avais les trois. Mais tu sais, en mode métallique, brillant. Elles pétaient ces figurines, elles étaient lourdes, frérot. Oh, il faudrait que je les retrouve. Donc voilà. Ils ont... Ouais, c'est ça, les gens, ils ont cru que j'étais New Age, sa mère. Ils ont cru que j'étais un Namasté. Il va niquer ta mère. <laughs> <laughs> Je te jure, ils ont cru que j'étais un new age. Parce qu'il y a des gens, ils leur ont dit, ouais, le gars, il est new age. Donc, elle arrive, la journaliste de TF1. <laughs> c'est qui, si tu veux, ta mère. <laughs> oh, pardon. Elle <laughs> est reparti. Alors, pourquoi notre président est un sociopathe qui risque de nous mettre en guerre contre la Russie Trop d'égo. c'est un agenda, frérot. C'est un agenda. Mais ma chaîne est déjà Shadowban, donc on va arrêter là. <laughs> euh... Euh, je vois de tu parles les figurines japonaises qu'ils ont éditées en France. Ouais, ouais, celle-là. Celle-là. Et c'était bien articulé. Et voilà. Je connais une femme qui a... Ah, c'est... Euh, super Sentai. À ne pas confondre avec les Hentai. Une fois, je me suis trompé dans une émission. On parlait de ça. Et tout d'un coup, j'ai dit ouais, mais pff, le meilleur Hentai, c'est Bioman. <laughs> ça, c'est parce que je connais Michiko... Euh... Michiko, c'est l'actrice qui joue Force Rose. Ah parce que quand j'étais petit, moi j'étais au taquet sur Force Rose. D'ailleurs, si, si vous trouvez mon Instagram, vous voyez j'ai des conversations avec elle, avec Michiko et tout, on se parle, elle se connaît. C'est que je suis le petit français qui la kiffe. Michiko. Et ouais, mais bon, c'est bien, c'est si bien. Et ouais, Force Rose. Non non non. Tu peux pas, Bioman Force Rose, c'est le haut du panier. C'est la plus belle Force Rose de tout l'univers. Tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas.

Gavan eh ouais, tu vois, ça. Non, non, je suis un fanatique d'XOR et de Bioman. Alors, de toute façon, c'est. Voilà. Mais Bi Bioman. Pff. Je crois que si un jour je fais un cosplay, que je, je retrouve la ligne totalement, parce que pour porter ce costume-là, il faut avoir une. Non, je pense pas que j'aurai la ligne pour être un, un bioman, vu les épaules et les bras que j'ai maintenant. Mais euh, je te jure, hein, je veux au moins me faire le casque. Le casque des Bioman avait la petite bouche là. Oh, tellement stylé. Chanson de Gavan, je ne sais pas. Ouais, Akira Kushida, qui chante aussi le thème de Goku Ultra Instinct. Ah, je ne savais pas, tiens. Je ne savais pas. Mais vrai qu'Akira Kushida, il fait des concerts de ça. Il fait des concerts de rock, avec, avec... Il est vraiment un vrai groupe de rock. Et il fait des concerts de, de chansons de Sentai et de manga. <laughs> Toi, tu vas voir, toi. On s'appelle dans, 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 dans dix mois. On s'appelle. Toi, tu vas voir. Tu rien pour attendre. <laughs> la Goza. La Goza. Eh ouais, putain. Et eh, je suis tellement fatigué, les gens. Demain, j'ai un stage en plus. Demain, je, je forme des gens. Demain, je forme des gens à la résonance. J'ai un pote qui a joué dans les séries japonaises. Et il est plus grand que nous, capitaine, et plus carré aussi. Juste, c'est très bien filmé. Ah, ok. Ouais, parce qu'on on, m'avait dit que les stunts, parce que des fois c'est pas les des fois c'est les acteurs qui sont dans les costumes, des fois c'est juste des cascadeurs, c'est des stunts. Et euh, il disait qu'il prenait des gars assez costauds quand même. Parce que voilà. Tu penses que les comics, Blaze, tu penses que les comics reprendront du non, c'est mort. Je pense que il faut que le. Mais d'ailleurs, c'est ce que c'est un peu devenu. Hein. Moi, j'ai créé ma maison d'édition euh, vraiment pour faire, pas pour faire du vintage, parce que vous allez voir le comics, euh, je veux que l'ambiance soit vintage. C'est-à-dire la façon dont le comics est conçu. Tu vois, euh, je ne suis pas allé au bout. Tu sais, tu sais jusqu'où je voulais aller, Blaze, je voulais que même le papier à l'intérieur soit du papier recyclé, comme dans les Strange qu'on avait nous à l'époque. Tu vois, on avait du papier, ces papiers-là qui sent fort, là. Voilà, j'ai dit non, je vais quand même.. Mettre de la qualité, du papier glacé, tu vois, quadricromie et tout, voilà. Mais je veux vraiment que le, le… Tu sais que le comic, ça devienne comme les vinyles dans la musique. Tu vois Je pense que le comic, c'est ça que ça va devenir. C'est comme si tu allais acheter des vinyles, en fait. Et, et dans un premier temps, tout le monde m'a dit « Ouais, mais si tu fais un format euh, plus euh, français, euh, ça va te coûter moins cher, tu vas avoir des planches plus grandes, blablabli, blablabla. Bla, » bla, bla. Et j'ai dit, non, je veux faire du comics. Mais je veux faire du comics en mode, tu sais, objet euh, particulier, tu vois. C'est un peu, pas, je ne dirais pas objet d'élite, mais euh, objet de niche. Tu vois, c'est ça que je, je, je veux faire, moi, dans la maison d'édition. Même si un jour, j'édite d'autres, euh, comment dire, d'autres euh, dessinateurs ou des gens comme ça, euh, il faudra que ce soit euh, dans cet état d'esprit. Mais le manga, l'avantage qu'a le manga, c'est que le manga euh, est beaucoup plus et euh, beaucoup moins onéreux à faire. Tout est en noir et blanc, il n'y a pas de couleur. Enfin, voilà, c'est très voilà. Et c'est très peu cher, c'est très peu coûteux. Quoi. Ben, finalement, le manga euh, a, a, a pris le marché du comics au niveau des prix. Aujourd'hui, un comics à 5 euros, ça ne serait pas rentable. C'est pas rentable. Quand tu vois que, tu vois, par exemple, moi, je fais 1000 copies, l'impression, hein, c'est presque 4000 euros. Juste l'impression, pour 1000 copies. Avec la qualité qu'on veut faire et avec... Euh, voilà. Donc, tu imagines euh, 5 euros. Euh, voilà. Et puis, bon, et tu vois, quand tu fais un comics, tu payes un dessinateur, tu payes un coloriste. C'est compliqué. Euh, ils prennent des BS sérieux. Très... Ouais, ouais, ouais. Ça coûte cher. Mais moi, voilà, je veux faire du comics, je veux éditer du comics. Je ne veux pas prendre des comics qui existent, je veux vraiment de, du truc original. Donc, euh, voilà. Hein. Puis tant qu'on est motivé, nous, on, on y va. Euh, voilà, le souci, c'est les emplois du temps. Là, ça prend un peu de temps parce qu'on euh, est dans une période faste pour les dessinateurs qui, eux, ont des contrats professionnels sur le côté. Le jour où je pourrais les, les payer plus. Leur filerai des contrats, mais bon, ils sont, ils sont signés avec des, des maisons d'édition. Euh, euh, je t'imprime 1000 à 50 euros avec ma Epson à 40 euros. <laughs> ouais, non, frérot. Ouais, là, euh, en numérique, il faut vraiment du très, très lourd pour faire de la qualité. Je le vois, hein, parce que moi, j'ai euh, imprimé des trucs en numérique pour les TGS. D'ailleurs, je vais en réimprimer certainement bientôt. Euh, j'ai imprimé des trucs et. Euh, Franchement, tu vois la différence entre une, euh, du numérique fait à la, à la Corep là, et le truc fait dans un, dans, une, dans, un, dans un truc qui fait ça. Tu es chaud pour le film, tu me titas. Ah ouais, 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 frérot. Moi, tu sais, DC Comics, pour que je sois content, j'ai des repères, en fait. J'ai des références. C'est-à-dire, bon, déjà, j'ai bien aimé la série. Euh, moi, Teen Titan, euh, justement, dans les, tu sais, dans les pochettes que j'avais quand j'étais gamin, et il y avait euh, plusieurs comics d'ici, il y avait toujours un comic Superman, un comics Justice League, et il y avait toujours un. Les, les, comment ils les appelaient C'était les jeunes T, je crois. Attends, c'était les. Ouais, attends, euh, je dois en avoir derrière. Mais c'était pas les titans, c'était les jeunes T. Il y avait un grand T comme ça, tu vois. Et. Euh... Et je kiffais, tu vois, je kiffais Beast, je kiffais. Euh, kiffais euh, c'est là qu'on a vu pour les, pour les premières fois, qu'on a vu euh, aussi euh, des aventures un peu épiques, euh, Nightwing et tout. Et moi, les repères, tu sais, moi, mes repères d'ici, moi, c'est Terre 2 avec euh, Justice Society. Alors, ça, pour moi, c'est l'essence de DC. Les, 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 les intrigues de Terre 2, elles. Plus d'ici, c'est vraiment le monde d'ici là avec Hourglass, euh, voilà. Moi, je kiffe. Et voilà, c'est Justice League, Superman, Batman, Tin Titan. Ça, c'est mes repères. Si tu me mets ça dans un lore, c'est bon. Je suis dans d'ici pour moi. Ça, c'est mes trucs. C'est mes repères. Non, 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 non. C'est le, le Green Lantern, Alan Scott et tous les, les vieux là. J'ai kiffé les comics qui sont sortis la Justice. Euh tout ça, j'ai kiffé parce que c'était autant de... Enfin, autant. Avec les équipes Wildcat et compagnie, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Franchement, je kiffe. Alors, euh, salut Captain Jusqu'au pouce bleu. Je partage... Je regarderai un replay demain. Ouais, il y a deux replays, BadFleck. Il hein. y a celui-là. Là, on est plutôt en mode after, tu vois. Et il y avait un Superman Legacy euh, avec NCK tout à l'heure. Euh, ouais, il faut que je le découpe d'ailleurs je crois que je ne veux pas aller dans l'outil YouTube pour découper le début parce que j'ai eu un problème technique euh, mais il y a un Superman Legacy spécialement sur euh, Jonathan et Martha Kent voilà on a fait une petite soirée sur euh, voilà il peut être et toi ça te, ça te, ça te botte Bilal Tintin j'espère qu'on va avoir une Starfire cette pour le coup là Franchement, Anna Diop, elle était elle méritée, mais nah, il faut Starfire. quoi. Ça va, MJ Donner Ah oui, 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 oui la grande tower des Titans, la, la Teen Tower. Ah oui, c'était. Non, et puis franchement, euh, Teen Titans, après, tu aimes ou tu t'aimes pas, hein, mais j'ai trouvé qu'ils ont énormément respecté DC sur plein d'aspects. Après, il y a rien de vraiment canon parce que c'est parti dans des délires. Le seul truc qui m'a dérangé, franchement, c'est le cast de Batman. Franchement, le gars ressemblait plus à Fred que Batman. Je suis désolé. C'est le seul truc, c'est mon seul bémol. Euh, le casting de Superboy, mortel. Le fait d'intégrer Crypto, franchement, il, je ne pensais pas que ça pouvait être aussi cool. Un chien dans une équipe, en fait, finalement, ça le fait, quoi. Parce que là, on est dans la veine des rintintins, des Lassie, sauf qu'il a des pouvoirs, le chien. C'est le vagabond, là. Tiens. Il est une voix qui m'appelle et m'attire. Au fil des routes, je l'écoute et la suis. Quand je m'arrête, c'est pour me faire des amis. Ah, vous vous rappelez de ça enfin, Sauf qu'il a des pouvoirs. J'ai bien kiffé ça, Starfire. Je l'ai kiffé de ouf, toute l'histoire. Toute l'histoire de sa planète, sa sœur. Franchement, c'était nickel. Franchement, ils ont bien respecté. Je ne sais pas. Moi, je, je voyais vraiment un produit d'ici Comics, pour le coup. Geoff Jones, si tu m'entends, tu as au moins fait ça de bien. Tu as vu la série Teen Titan Ouais, j'ai vu un peu, Sigma. J'ai vu un peu. C'est un Bruce Wayne à la Dark Knight Returns dans la série Titan. Ouais, sauf que euh, Bruce Wayne à uh, la Dark Knight Return, il est bac, quoi. C'est un bestiau, frérot là. Je sais pas. Quand ils ont dit le casting, j'ai dit ah, le gars de Game of Thrones, ok, pourquoi pas. Tu vois. Et puis non, on aurait dit Alfred. On aurait dit Alfred. Et puis euh, on l'a pas vraiment vu dans le costume, quoi. Tu vois Ça c'est dommage. C'est dommage. Parce que je pense que Batman, pour le coup. Il euh, y aurait un truc à faire euh, sur les plateformes. Franchement, Batman, faire une série live action Batman, c'est pas normal que ça n'ait pas arrivé. Je suis désolé. On prend Alan Ritchson pour le Batman du DCU pour le cinéma et on prend Jensen Ackles pour le Batman à la télé. Non, c'est ça, une série Batman avec des intrigues. Tu sais, chaque saison il y a un délire, chaque saison un ennemi. Tu fais une saison sur euh, je sais pas moi Edward Nigma tu fais une saison sur le pingouin tu fais tu sais et en fait tu fais tu... tu fais des tu fais des une série et le focus il est sur l'ennemi. C'est-à-dire que saison 1 le pingouin. Allez. Et tu vois le pingouin et après Batman il est en il est là mais il est c'est pas lui le protagoniste principal. Et à chaque fois tu vois et tu attends le finale. et là Batman il se met en mode Là, tu vois, en mode enquête, euh, truc de baiser. Ça serait cool. Si film Titan avec des strokes ou un arc magique avec le père de Raven, l'avantage de Titan, c'est ça c'est qu'ils peuvent se balader. À, à, à... La manière dont est faite l'équipe, on peut aller dans l'espace, comme on peut aller dans le mystique, comme on peut aller effectivement dans le, dans le méta avec des strokes et compagnie. C'est l'avantage des Titans. Titan. D'ailleurs, ça a été exploité dans la série. Hein. Et plus qu'exploité. Hein. Oh, l'actrice qui jouait Wonder Girl. Franchement, s'ils n'apprennent pas pour faire Wonder Woman dans le DCU, je ne comprends pas. <laughs> ah ouais, moi, je kiffais Gal Gadot. Hein. Mais la petite qui jouait Wonder Girl dans Teen Titan, euh, elle, mérite. elle mérite un rôle. Donnez-lui un rôle. Merde alors. Putain. Non, mais c'est vrai. Le cast de Batman dans Titan, moi aussi, pas terrible. Il joue le méchant. dans le Ouais, c'est ça. Mais euh, j'aurais aimé voir un petit peu plus. Bon, on a vu quand même beaucoup de la Bat Family dans Titan. On a vu Hawk et Dove. On a vu. Euh, comment il s'appelle C'est vrai que c'était très axé Batman, en fait, Titan. Il y avait Hawk et Dove. Il y avait les quasiment. On a vu les trois Robins. C'est abusait quand même. On a vu Jason Todd, on a vu Dick Grayson et on a vu, euh, comment il s'appelle Tim Drake. Tim Drake. <laughs> Tim LGBT. Il est mignon. Bisous. <laughs> il a un gros bâton. Euh, voilà, on a, vu, euh, on a vu Barbara Gordon dans son fauteuil roulant. Même dans son fauteuil roulant, elle était stylée. J'avoue. Euh, voilà, quoi. On a vu Gotham. Non, non, c'était vachement axé sur Batman quand même, hein, cette série. Mais moi, je veux une série Batman. Parce que bon, la série Gotham, c'était sympa, tu vois. Mais pff, avoir Bruce Wayne jeune, c'est fatigant. Alors, hop, avec la bande dans l'anime Terra. Je crois qu'il était proche d'une dextro. Okay. Euh, il y avait pas mal de l'ordre raven... aussi, euh, première saison. Première saison, ça tourne autour d'elle. Hein. Avec euh, le démon Trigon. Trigon. Ouais. Et mais... Pff, si vous voulez manger du DC et parfaire votre culture DC, jouez au jeu en ligne DC Universe Online. C'est un truc à la World of Warcraft, c'est un mémo RPG, mais basé vraiment sur le lore du DC Comics. C'est Jim Lee qui a, qui a co-conçu le jeu, et je peux vous garantir que ce jeu-là est mortel pour parfaire votre culture DC. Parce qu'effectivement, en fonction du, des pouvoirs que tu choisis, tu vas avoir un mentor. Et en fonction de mentor, tu as un petit arc narratif. Euh, franchement, c'est stylé. Quand tu prends les pouvoirs gadget, euh, ton mentor c'est Batman, donc tu es à Gotham la plupart du temps. Quand tu prends, la, quand tu prends les pouvoirs de feu et de glace, tu as Superman avec le vol. Euh, donc là, tu es à Metropolis la plupart du temps. Euh, quand, mais tu peux prendre Wonder Woman, je crois que c'est là, tu vas avoir les pouvoirs mystiques. En fait, y a, chaque batterie de pouvoir te donne un arc narratif avec des délires. Et c'est vrai que... voilà. Je suis très chaud, j'aime beaucoup l'équipe, surtout Beast, je le kiffe. Ah ouais, moi, Beast, c'est un de mes persos préférés. J'adorais, tu sais, l'ancien, vraiment l'ancien design où c'était un ado vert, tu vois, avec la tenue rouge et blanche. Là, je trouvais son design très, très stylé. Et j'adore le fait qu'il soit un métamorphe, quoi, tu vois. Les animaux et tout, The Beast, pour moi, c'est un de mes personnages préférés des titans. Euh, voilà. Et pour les gens qui ne savent pas, Cyborg était un titan avant d'être un membre de la Justice League, hein, d'ailleurs. D'ailleurs, il a été membre de la Justice League à partir du New 52, vraiment, ça s'est installé. Mais avant ça, c'était plus un titan, Cyborg. Par contre, j'ai essayé de regarder Doom Patrol, mais le Cyborg de Doom Patrol, là, qui euh, récoue dans une boîte de conserve, c'est pas possible. Euh, non, Cyborg, c'est un monstre. Cyborg, c'est. Euh... C'est un genre de foot américain, quoi. C'est pas un je sais pas quoi, là. <laughs> J'ai un live à te proposer si ça dit. Je t'explique. Ouais, pas de problème, frérot. Quand tu veux, quand tu veux. Quand tu veux, quand tu veux avec très grand plaisir. Hop, Correggio. Vous avez vu le créateur des X-Men 1987 qui a été mis dehors parce qu'il avait OnlyFans et qu'il dégoûtait les patrons de Disney. Il a dû aller très fort. Ah ouais? C'est ça, au bout d'un moment. Le cyborg de Doom Patrol avec son casque en alli... Non Mais Sigma, le gars, c'est cyborg, il a une tenue, il a un tracksuit sur lui tout le temps, il a, te... il a un jogging Adidas, toujours. Oh, tu, me dégoûtes. tu me dégoûtes. Ils auraient dû sortir hein, X-Force avec Deadpool, ouais. Moi, ce que j'aimerais aussi voir, c'est l'équipe canadienne, là, euh, comment il s'appelle ah, j'ai un... C'est pas X-Force? Non, c'est qui? Comment il s'appelle, les Canadiens, là? Ah. ah non, mais ça, c'est dans Marvel, je crois. Non, non, il y a une équipe de Canadiens d'ici aussi. Merde, comment il s'appelle? Euh, attends. Il y a team. Oh, je ne me rappelle plus. Euh, voilà, il y a Bête sans souci. C'est ça. Il y a... ah, comment il s'appelle cette team-là euh, Oui, c'est l'équipe où il y a Bête sans souci, euh, Michael Carter. mais je me rappelle plus comment il s'appelle cette team. En tout cas, c'était cool. Alpha Flight, non, mais c'est chez Marvel. Alpha Flight, c'est pas eux, c'est pas eux, c'est pas eux. C'est une équipe de Canadiens. Il y avait une équipe aussi, euh, mais je pense que c'était un, 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 un mélange de Suicide Squad et d'une autre team. Je ne me rappelle pas. Mais bon, quand tu fais euh, d'ici, tu dois avoir. Les Teen Titans. Parce qu'en fait, Teen Titans, au bout d'un moment, c'est quasiment devenu Young Justice. Tu vois Ça m'a saoulé. J'ai appelé ça Teen Titans. Mais euh, voilà, tu as les sidekicks, ils ont leur équipe. Tu as la Justice League. Il faut qu'il y ait ça. Il faut la Justice Society. Et à la fin, tu fais un film à la Endgame, quoi, avec tout le monde. Un gros bordel à la Kingdom Come. Mais comment il s'appelait cette team Il y avait d'autres. Oh, bon, pff, bref. Ça date. Ça date. Ok. Buen buen buen. Oh, oh chef, j'ai envoyé ma montre à la réparation. Putain. Oh, je suis en PLS, frère. La montre, elle arrive, il n'y a pas les, so les, les secondes, elle ne bouge pas. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas acheté une belle montre, tu vois? Bien chère. Encore c'est pas trop trop cher, franchement pour ce que c'est. J'ai gardé le souvenir. Euh, en plus, ils ne la font plus, je crois. Si, si, je l'ai reçu la montre, mais elle est, re, elle est arrivée avec l'aiguille, euh, donc j'ai envoyé en réparation. Et là, j'ai fait le tracking. Ils ont reçu le colis. Ça, c'est sûr. J'ai l'accusé de réception de, de Colissimo. Mais euh, sur le statut de réparation, il… Il a rien. Oh là là, elle était trop belle, cette montre. Trop, trop belle. Wesh Bon, les gars. Je voulais qu'on regarde un truc ensemble par rapport à la... par rapport à la... à la direction marketing, justement, autour de Rebel Moon. Donc, c'est bien ce qu'on ce qu avait pressenti. Hein. Donc, on va regarder... Quelques extraits de l'interview de Joe Rogan avec Zack Snyder. Et on va commenter. Allez, partagez. Alors, hop, hop. Hop. The Joe oh. Rogan experience. I go, what about this? What if we make. If I make take this script, I make you a PG-13 version that you can just blast into the world and hopefully as many people see it as possible. And then you let me as a... Je vous la mets en français, commencez par aller. <laughs> ouais, j'écoute tout en anglais les gars là. Oh Putain, on est en 2024 les gars, l'anglais ça doit être obligatoire. Allez, je remets au début Donc, euh, voilà. The Jerogan experience. I go, what about this? What if we make, if I make, take this script, I make you a PG 13 version that you can just blast into the world and hopefully as many people see it as possible. And then you let me, as a bonus, you just let me make this version exactly as I think. And they were like, okay, that sounds cool. So coming at the end of the summer, you'll see my two three hour versions of Rebel Moon that are like hard R rated. Donc en gros, là ce qu'il est en train de dire, c'est que la version qui arrive en juillet, elle est tellement hardcore les frères qu'il y a même plus de, de... <laughs> voilà, c'est R-rated mais genre c'est plus parce que comme il s'est inspiré de, je sais pas si certains d'entre vous ont lu Heavy Metal quand ils étaient plus jeunes ou s'ils sont tombés sur des euh, des BD de, enfin des BD c'est un fanzine. Hein. Uh, heavy Metal, uh, c'est impressionnant la violence, la violence du truc. Donc je me dis que s'il avait fait un space opéra à Heavy Metal, c'est mortel. Mais ce qu'on a vu là sur Netflix, c'était vraiment la version. Donc moi ce qui, enfin, c'est pas ce qui m'énerve, c'est normal les gens jugent ce qu'ils ont vu, mais je pense qu'ils sont pas prêts à voir ce qui va se passer là. Après. Et ouais, faudra bien le dire. Well, cause normally when I do this director's cuts, you know, which is a thing now, I'm Weirdly famous for. The director's cuts were always an answer to a thing that the studio made me do, right? Like, here's my movie. They're like, Yeah, we really want you to cut these parts out because they're not cool. They're like, the movie's too long or the movie's too violent or whatever. And I would be like, Wow, really? Because I really think that's kind of the why of the movie. And they'd be like, No, it's really important. The focus groups told us that they don't like that. So take it out. So I take it out, but then I'd go, like, you know. go over to home video right across the street and be like hey guys you want another movie to release I got the shit c'est intéressant ça c'est intéressant et je suis d'accord avec toi Fresquito tu vois je regrette d'avoir gardé la version pg 14 et je regrette d'avoir écouté les critiques aussi parce qu'effectivement euh, là ce qu'il est en train d'expliquer c'est que chaque fois qu'il a fait un film il euh, y a une équipe qui lui disait ben non ça c'est trop ça faut couper il lui dit non non moi je sais ce que c'est hein euh, là j'écris mon comics et des fois les gars ils me disent ouais mais ça est... et, et, et moi je sais parce que c'est moi qui ai écrit l'histoire que ça c'est un moment clé que tu peux pas l'enlever c'est pas possible si tu l'enlèves ça enlève énormément d'énergie et de poids à l'histoire tu peux faire ça, c'est à dire que l'histoire serait quand même cohérente mais si tu enlèves ce passage précisément ça enlève du poids à l'histoire. Donc, je me suis dit, je ne vais quand même pas faire un director cut de ma propre béni. Donc, je m'impose. Parce que, de toute façon, c'est moi qui paye. Donc, ils ferment leur gueule. <laughs> Mais, il y a des moments, effectivement, où c'est important. Il y a des moments clés. Quand on écrit, c'est comme si on écrivait, tu sais, avec des, des points de repère. Et donc, tu te dis, pour arriver à ce point de repère, l'arc narratif doit aller dans ce sens-là. Il doit faire ci, il doit faire ça, il doit faire ci, il doit faire ça. Mais ce point de repère. Il est indispensable. C'est-à-dire, je ne peux pas. Euh, c'est comme si je t'enlevais un disque de ta colonne vertébrale. Quoi. Je ne peux pas le sortir. Je ne peux pas le sortir. Donc, des fois, les gens ils se concentrent sur ce qu'il y a entre les deux repères, alors que ce qui compte, c'est le repère. Et ça, c'est ça, je l'ai vu, hein, quand tu scénarises, que tu scénarises et qu'ensuite le, le dessinateur il fait un storyboard, tu as déjà perdu énormément d'informations. Parce que, entre le script, ce que moi j'ai écrit, entre la scénarisation de ce que j'ai écrit et ce que le dessinateur va mettre en, en image, putain. Des fois, j'ai dit, ouais, mais ça, tu es obligé de mettre ça, tu vois, dans cette bulle-là, il faudrait mettre l'ADN, qu'on voit que quand ils ont travaillé sur l'ADN, ça a donné des sirènes, ça a donné des, des aberrations génétiques, parce que si tu le mets pas, ça enlève du poids qu'ils sont en train de faire, et puis ça, ça la décorelle de la mythologie, et tout, tu vois. Es... Moi, il faut que je réfléchisse à tout, tu vois donc des fois c'est vrai que quand le dessinateur il reçoit le scénario le scénario il a déjà filtré énormément de choses et je me mets à la place d'un réalisateur quand il a bossé sur son film et qu'il doit couper des trucs c'est vraiment chiant c'est vraiment ça va être relou alors l'avantage c'est qu'à l'époque tu avais des euh, tu avais tu sais des des home vidéo en fait c'est ben, les, les, euh, quand allais louer des cassettes donc, t'allais voir les gars là-bas, tu leur disais, voilà, j'ai une version de Director's cut du truc, est-ce que vous voulez la, la produire, l'imprimer? Et ils le faisaient. Tu vois, où il y avait le marché du DVD à l'époque de la des de, de, de Director's cut. Mais non, ça a disparu. Mais euh, c'est vrai que des fois, il y a des films qu'on critique alors que euh, tu as enlevé la substance du film. quoi. Je, je trouve ça dommage que les gens. Moi, ce qui m'énerve, ce qui m'a énervé là pour la première partie de Rebel Moon. C'est les gens rigides dans le sens où OK mais c'est ça qu'il a mis sur le marché donc c'est ça que je juge. Oui mais comment tu peux avoir l'honnêteté intellectuelle de juger négativement un truc en sachant qu'il manque des bouts C'est pas sa faute s'il manque des bouts. Eh ouais. that time, there was a huge market for directors. It gave a second kick at the can. In home video, mm. right? So they would be like, "That's so cool! We get a whole other movie to market that like never before seen footage." Right. You know, it just feels like a cool thing. And so that was how I've always done my director's cuts, always as a response to what the studio was telling me couldn't be in the movie because mm. I I never planned. I would always go into it like bright eyed, like, "Oh, everyone's gonna love this." Include, you know, the studio. When when you see my cut, you're gonna think it's amazing, and they would like look at it and go like. Bro, like that's no, like this is too much. And so that's what that's where my director's cuts kind of as a just as a practice were born. You know, it was it was born out of that me needing to show the world what I intended originally. Mm. And so, you know, by the time now that I've got to Netflix with this Rebel Moon movie and my sort of the mythology around my director's cuts was kind of a thing, especially with Justice League, as you can imagine. Um, they were like, you know what? Why don't we do a director's cut as part of the process rather than as a response to it? Mm. And I was like, that's really smart. Like, that's really cool because in a lot of ways, I totally get the economics of making a PG 13 version. The cool thing about TV is they have um, TV 14. Et puis ça va à TVMA. TVMA, literally, has no top on mm. it. You know, like, you're gonna, I think it's like, almost like... Donc, vous voyez, là, c'est cool parce qu'à à la TV, et, enfin, à la télé, enfin, sur les plateformes qui passent, qu'on regarde sur nos télés, il y a des, euh, des rankings, si tu veux, de, de, de on va dire, de -ness. <laughs> Et ils ont un truc qui s'appelle TVMA et ça n'a pas de limite. Et donc, du coup, il a pu aller dans un truc, nos limites. C'est un truc de malade. Moi, j euh, moi, moi, cette interview, je l'ai mangée comme un bonbon. Euh, parce que déjà, j'adore Joe Rogan. Joe Rogan, pour moi, c'est l'un des meilleurs intervieweurs euh, sur la toile, ever. C'est lui qui a le meilleur podcast de tous les temps. Il, faut pas, il, fait, il fait des émissions de ouf avec des intervenants de ouf. Euh, franchement, Joe Rogan, c'est le top du top. C'est le maître incontesté. Et pourtant, le gars, un, je crois que c'est un gars du Jiu Jitsu et du MMA. Hein, il me semble, hein, à la base. À la base, c'est Moscato, le gars. Hein. Tu vois, aux États-Unis, les États ont Joe Rogan et nous on a euh, on avait on il retourne au mastic. Euh, <laughs> je l'adore Vincent Moscato en plus. Euh, Mais voilà, tu vois, c'est cool cette interview et franchement, euh, voilà, on a Snyder qui explique. C'est pour ça que je trouve dur de, 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 de les, les gens sont durs avec lui, mais je pense que c'est plus politique qu'autre chose parce qu'effectivement. Euh, moi, après l'interview, j'étais hypé de voir la directeur Cut. Je ne suis même pas sûr que je vais regarder la partie 2, quoi, en fait. Je vais. Je veux dire comme il fait mes fresquito. Je vais attendre juillet qu'il nous sorte de la directeur Cut et je veux tout voir d'entrée, quoi. Ah ouais, avec les scènes, mais il paraît que c'est très 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 hardcore. Très bien. Vous attendez C'est quoi ça c'était. qua. Bon, bref, on y retourne. Porn is tvma. Is I, don't, I don't know what I, I, I look, no one understands the ratings. No one does. It's an alchemy that is impossible to know. It's all subjective. It's right? all subjective and bizarre. And so, you know, and they also it's genre related. Right mm -hmm. so like say for instance the ratings board might say something like um well this is a sci-fi movie so it's 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 too much but if it was a horror movie it'd be fine but it's a mm -hmm. sci-fi movie so it's not fine or it's a superhero movie that was the whole thing with Batman versus Superman i remember the ratings board said we just don't like the idea of Batman fighting Superman. I was like, uh, what, what is that? Like, but what, how is that your opinion? Like, how is that? That has nothing to do with the rating. The you know? ratings. Didn't yeah. Like yeah that. They kept saying like, we want it. They kept making it an R. They kept coming back with an R for us. And we were like, we really, what do you want us to cut out? And they were like, well, we just don't like the idea of Batman's fighting Superman. And i was like, I can't take that out. That's the movie. That's so ridiculous. Yeah, they would have that kind of power. So it was crazy. So we really had to trim it super. It, it it's, C'est I mean, fou ce qu'il est en train de dire. C'est-à-dire que dans Batman vs Superman, le, le comité en fait de visionnage était contre le fait que Batman se batte contre Superman. C'est un truc de ouf, ou pas C'est un truc de ouf et c'est ce qu'il expliquait en fait que le, le rating, la, la façon dont on va Uh, notifier un film, est-ce qu'il est, qu est PG-13 Mais ça peut dépendre des genres aussi, tu vois. Il dit c'est une alchimie que personne ne comprend. Donc, tu as des trucs qui vont passer PG-13 alors qu'ils ne sont pas. Uh, bon, très clairement, lui, il a enlevé le sang, quoi. Dans son, dans son premier film, et puis il a enlevé les chaînes de sexe. Et uh, voilà. C'est Oui, et je pense que c'est vrai... Of all the director's cuts that I've done, is that it's just a glimpse into the why that the, you get to see better the why of the movie, the why of its origin, yeah. the, what it, how it, because like obviously something kept me awake for two years writing. Something right. kept me jazzed about like, fuck yeah, I can't wait to do this. I'm drawing, I draw for Rebel Moon, like I drew 3,000 storyboards for that movie. Like that is like a lot of work, you know? That's a lot of work to yeah. like, you know, to you got to care. That's five months of drawing after yeah. I've written the script. Wow. So I've written the script for a year and a half, and then I draw the movie for like another five months. Wow. It's fucking insane. Oh my God. You must have been going nuts. Yeah. It's you must have so, been missing Fortnite. Yeah. <laughs> yeah. That was before Fortnite. If I had a, by the way, it's a good thing I didn't have Fortnite because I would have like <laughs> it would have ruined everything. The problem with writing and with for me drawing is if I have one procrastination I can do, yes. one, yeah, I'll take it. Yeah. que, like if I look at that blank pad mm -hmm. and I look at the video controller, video right. game controller, I'm like, oh yeah, this is way more satisfying. Yeah. That, that thing was, wants to fuck me up. That pad is trying to fuck me up. Je, je, je vois pourquoi moi j'aime Zack Snyder, c'est parce qu'il est comme moi. Il, dès dès qu'il ouvre sa bouche, j'ai l'impression que c'est moi qui pense, qui parle, c'est impressionnant. Je suis vraiment câblé comme ce gars-là en fait. C'est, ce qu'il vient de dire là sur l'écriture, c'est un truc de fou. Et c'est ce qu'il expliquait dans son Director's Cut, c'est que on va mieux comprendre le pourquoi du comment. Et, et les gens, les gens, en fait, ils se sont plaints qu'ils comprenaient pas les enjeux, pourquoi les, les personnages étaient ci, les personnages étaient là. Et j'ai vraiment hâte, quoi. Vraiment hâte qu'il ferme la gueule à tout le monde, comme d'habitude, parce qu'il n'y a pas une fois, il n'a pas fermé la gueule aux gens. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable que le gars, il n'y a pas une fois, où il n'a pas fait fermer la gueule aux gens et les gens continuent d'ouvrir leur gueule. Moi, c'est là que l'humain me fascine, quoi. L'humain me fascine. Il n'y a pas une fois où il n'a pas fermé la gueule aux gens. Le directeur cut de Batman contre Superman. La Snyder Cut. À chaque fois qu'il sort un directeur Cut, il ferme la gueule aux gens. Et les gens continuent d'ouvrir leur gueule. On dirait que c'est oh. Non, mais je pense que c'est les gens qui, qui comp vont comparer. Euh, parce que là, c'est pareil. Euh, moi, j'ai vu Dune le premier, je n'avais pas vu encore. Euh, parce que je voulais voir le 1 avant de voir le 2. Mais c'est pareil. Aujourd'hui, il y a une hype autour de Dune 2 qui est surcotée. Oui, c'est beau. Oui, c'est top. Mais pas. En fait, j'ai l'impression que maintenant, quand on nous donne un film normal, alors qu'avant, on nous donnait des films pourris à la seconde où on te filme un film normal c'est une masterclass faut arrêter faut arrêter ouais c'est ça que je vais chercher euh, Fresquito j'allais exactement j'y ai pensé et j'allais exactement euh, chercher le truc euh, Zack Snyder Batman parce que son explication, elle est tellement, tellement, tellement. Euh, hop. Voilà, Joe Rogan. C'est parti. Je vais me mettre comme ça. Comme ça, ça crée moins pour les droits d'auteur. Lol, vrap, vrap, af, Afro va pas aimer. Qu'est-ce qu'il va pas aimer, Socrate non, mais moi je pense qu'il ne faut pas comparer euh, Dune. Euh, dune, c'est tiré d'un roman, vraiment un beau roman. Et je trouve que Villeneuve, il a rendu hommage au roman, franchement. Euh, The Rebel Moon, c'est tiré d'une bande dessinée qui s'appelle Heavy Metal, Les 7 Samouraïs et compagnie, euh, qui est vraiment hardcore. Ça n'a rien à voir, tu ne comprends pas. Tu peux pas comparer. you can't compare. All right, on you. <laughs> the Rogan experience. But it's interesting to see when there's uh, like such a strong reaction to certain things. And especially amongst like really wild hardcore fans because there's hardcore like particularly like, like, I know. Yeah, you you <laughs> fa well you also face it because you you cover these genres. You cover these subjects that are that are iconic Superman Batman I mean just those alone no no and by the way that's a lifestyle choice for a lot of people it's not mm -hmm. a movie right right it's right. not a movie it's like it's not like if I made a romantic comedy you'd be like okay that was fun right like I the people who love and and by the way I love that they feel this passionately I'm, I'm not in no way would I criticize that because I feel I live the same life. Right? Because like it's yeah. for me, it's morning, noon, and night. But so for those guys, it's not just a movie. And so you have to on some on some level, you have to acknowledge that the they this is their religion, you know, and they feel strongly about it. And it, by the way, the truth is it's my religion too, you know. So it's a, it's a, it's a, I I tend to get in trouble because of my I I do take a deconstructivist. Point of view because of Dark Knight Returns, because of Watchmen. Those, if you've read those two comics, it's hard to go back. Mm. You know, to like yeah. it, you, you want to, and it's because I care that I want to take them apart. Like I want Batman. Like people are always like, well, Batman. I, Batman can't kill, right? Ça, il a tellement raison. Mais ces comics là, ils sont vraiment. Enfin, Miller, c'est un. C'est une claque, c'est une revolution, en fait. On se rend pas compte en fait. So Batman Can't Kill is canon. And I'm like, okay, well, the first thing I want to do when you say that <laughs> <laughs> is I want to see what happens. And they go like, well, don't put him in a situation where he has to kill someone. I'm like, mm. well, that's just like you're protecting your God in a weird way, right. right? You're making your God irrelevant if he can't be in that situation. He has to now deal with that yeah you know if he does do that what does that mean what does it, it what does it tell you but does he stand up to it can he survive that right as a as a god as your god can batman survive that i never thought that that was canon that batman can't kill but well that for a in, lot of people it is It seems ridiculous given the circumstances in which he operates yeah, well, <laughs> <laughs> and well and also web don't read the comments has. right now don't read the comments yeah <laughs> non, mais Batman, euh, quand j'ai commencé la chaîne Geekology Comics, il y a, il y a trois ans bientôt, où ça, ça commence à faire du, du temps, je me rappelle, j'avais fait une vidéo, je ne sais pas si vous vous en souvenez, j'avais fait une vidéo sur la psychologie de Batman. J'avais fait une vidéo sur la psychologie de Batman et j'étais parti, je, je, je crois même que j'ai fait une série de vidéos. Euh, une vidéo qui était sur sa psychologie. Je m'étais inspiré des travaux d'un psychologue justement qui avait fait Batman et sa psychologie. Euh, moi, j'avais étudié. D'ailleurs, ça faisait partie d'un de mes euh, d'un de mes sujets euh, quand j'ai euh, quand je suis rentré à l'école de psychothérapie pour apprendre le management par neurosciences et tout. Euh, ça faisait partie d'un de mes sujets euh, de travail et j'avais pris Batman justement pour expliquer. Euh, moi, j'étais fasciné par les psychopathes et les sociopathes. Enfin, fasciné. J'essayais de comprendre comment leur cerveau fonctionnait, qu'est-ce qui faisait qu'ils étaient comme ça. Et donc, du coup, Batman est tombé sur la table très rapidement. D'ailleurs, j'avais, j'avais, j'avais parlé avec une amie et je lui avais dit, tiens, euh, si un jeune garçon euh, euh, assistait à la mort de ses enfants, euh, de ses parents devant lui, d'une façon violente, par balle et tout. Elle m'a décrit, en fait, ce qui arriverait à ce petit garçon. Et elle m'a sorti des trucs qui, en fait, s'adaptaient exactement à Batman. Euh, dissociation de déni, dissociation de personnalité. Donc, euh, voilà, créer un personnage qui est capable de faire ce que lui n'a pas pu faire, en l'occurrence, protéger ses parents. Euh, violence extrême sur lui et sur les autres. Euh, tout ce qu'elle me disait, ça représentait Batman. Et donc, j'avais fait cette vidéo et là, je suis tombé sur des gens... Oh, je, 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 je me rappelle quand... Euh, je crois que c'était en 2002. Non, attends, je vous dis des bêtises. 2008-2009, Steve Yunis de Superman Homepage décide de fermer le forum parce que le forum, c'est devenu un, une espèce de champ de bataille. Je me suis dit quand même, les fans de Superman sont vraiment hardcore. Mais les fans de Batman, frère, veulent rien savoir. C'est des ouf. C'est des ouf. Je t'ai dit, j'ai reçu des mails, frérot. C'était impressionnant. On aurait dit une secte, quoi. C'est voilà. Mais euh, là, il dit euh, Snyder, j'aime bien parce qu'il dit mal, bah, dit pas les commentaires. Mais c'est vrai. Mais quand vous prenez du, du, quand vous partez du principe que Batman n'a pas de pouvoir euh, et qu'il est souvent en état de légitime défense et il est souvent à l'article de la mort euh, parce que ceci, parce que cela. À quelle heure, vu les patates qu'il met, vu les, à quelle heure es-tu pas en fait À quelle heure À quelle heure es tue pas, Batman D'ailleurs, c'est faux, hein, quand vous lisez, alors, il faut lire des vieux comics, bien évidemment, il y a plein de comics où il tue. Hein. Moi, je vous le dis, hein, d'ailleurs, il y a un truc aux États-Unis qui s'appelle. Euh, il y a une, il y a une, 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 une association euh, qui euh, fait sûr que les enfants puissent lire les comics. C'est à cause de Batman, parce que Batman tuait tout le temps. Euh, donc voilà, c'est là. Oh putain, je, je suis fatigué là. Là, euh, hey, hey, je sais plus quoi. Là, euh, comics, là, je vais prendre un comics. Have comics Hop. Voilà, approved by the comics code. Voilà, c'est ça. Voilà, là. approved by the comics code. Vous voyez en haut, là, en haut, approved en haut à droite, là. Approved by the Comics Code. Eh bien, ça, là, c'est à cause de Batman. Je vous le dis, Batman, déjà, il avait un gun avant, à la, à la hanche. Il avait un gun, euh, au lieu d'avoir un grappin, parce qu'il n'avait pas un grappin, il avait une corde. D'ailleurs, il s'est revenu dans World Finest, j'aime beaucoup. Batman, il brisait des nuques, frère. Point barre. Mais les fans de Batman, ils sont dans un déni, ils sont dans une espèce de, de délire mais à quel moment le gars ne tue pas C'est impossible. Impossible. Mais bref. J'adore comment Snyder il est mort de rire. Oh. <rire> C'est seems ridiculous. It's well, I mean and you know, there's this huge like there's so in Dark Knight Returns, there's a scene where and I copied it kind of in Batman versus Superman where he grabs the M60 he busts through the wall and he grabs the N60 and he's like the guy's like in the comic book he's like got this kid the the mutant has this kid with a gun to his head and he's like I'll kill him I swear I'll do it and Batman says I believe you and he shoots him straight in the head because it's like a no win scenario it's like the Kobayashi Maru of you know the Kobayashi Maru is that in Star Trek it's that test they put Kirk through where there's a no win right because they want to see how you'll react mm. right so they say okay we're going to make a we're going to make a scenario a test scenario where you don't win where there's no way to win and in that situation we find out what you would do in a no win situation because if you're going to be the commander of this spaceship you have to you're going to be in situations where you know it's life or death and especially when there's no tricking it right there's no tricking death in this case, and the famous thing with Captain Kirk is he he went and hacked the machine and made it so there was a a solution. Yeah. And so that was his response to the no-win situation was create a scenario where he wins. ouais j'arrive jamais à le dire, le kawaboshi Baru, je crois, c'est le, le, le la simulation que Captain Kirk. C'est bien, c'est c'est énorme ce qu'il dit Snyder. C'est ce gars-là est vraiment smart. Hein? Putain, mais il, il est, franchement, les, les gens te méritent pas, le Snyder. C'est vrai ce qu'il dit. C'est-à-dire que, justement, OK, Batman ne me tue pas, mais s'il était dans une situation où il est obligé de le faire, euh, il reste toujours Batman. C'est dans nos yeux à nous qui change. c'est vrai. Which is cool. Which is a cool character, you know, that's a cool character move. But they, that's kind of how I felt. Uh, that's what they would say. Don't do that to Batman. Don't put him in a no-win situation because we don't want to see him lose. Like we can't see him lose. He has to maintain this godlike status. And that's what the cool thing about Frank Miller, Frank Miller said, fuck it. I'm gonna like, I'm gonna, I wanna see who this guy really like if if a guy, so you're saying to me that I've got a gun to this kid's head, you're Batman. I'm gonna there's no move. There's no trick. There's no throwing the batarang. There's no a dust ball to distract me like i I've, I've just got to pull the trigger and i kill this kid so you're saying in that scenario batman what's batman supposed to do right right yeah he's gonna lay down his gun what, what's he gonna do like it, it, it's the guy says to him i'll do it i swear it i believe you is perfect yeah i believe you and I then believe you. And, yeah you know so i'm just like Ah, ce, que, ce que dit Snyder, il ne dit pas que parce que je vois certains qui, qui réagissent parce que j'ai lu aussi Dark Knight Returns, il ne tue pas à ce moment-là. Il, il attrape le gars, et le suspend. Snyder, lui, ce qu'il aimerait mettre à l'image ou ce qu'il aimerait euh, tester, c'est quoi si Batman à ce moment-là décide de tirer. Ne confondez pas. Hein ne confondez pas. That's where like. Frank deacons takes Batman and just tears him in half, yeah. and you've got to now come out the other side of that. And Batman is still the hero. Batman still does the right thing. He maintains his code, his eth. He doesn't change, but like our perception of him changes. And I think that's like a that's the I I and I have run afoul of, but but a lot of the fandom who have I feel like who have like. Gotten to the same place I have with the characters where they need to test them to like, and I feel like the characters, it's been my experience that the characters have not let us down. Like these myths have not let us down. They have, they've made, they, they, you put them to the ragged edge into that scenario and they come out the other side and you're like, fuck yeah, there's a reason why Superman is Superman. Mm. You know what I mean? Yeah. There's a re like he can handle it. He can fucking take it. Because he's so iconic. Like you see, like the red S, you go anywhere in the world with that Superman t shirt on, anywhere. And you say to any kid, like, what's this? Oh, that's Superman. Yeah, exactly. Like you know, that means something. That's like fucking cool. Well, not only that, it's one of our first ever superheroes. Literally. Yeah, I mean, s just think of the name. It's so unoriginal. Superman. <laughs> <laughs> it's, it's the most you couldn't think of that today. That's not so a, ridiculous. You can't, you can't do that. Today. I know. If you tried to come up with a Superman today? Everybody, says, shut the Superman? fuck that's up. Superman? That's horrible. That's your guy. <laughs> yeah. You know, come yeah. on, man. We've got so many different interesting but characters. That's what. Out the, that's there. why the Trinity—Superman, Batman, Wonder Woman—are so powerful because they're mm. literally obviously the origin yeah. concept right wonder woman literally yeah batman yeah. batman is the only anomaly because he's like a batman like what does that mean right. <laughs> you know, like, what does it? he doesn't even have powers <laughs> yeah he's just like a he's half bat like what is that he's just got a lot of money yeah he's got a lot of money yeah that was yeah. like my favorite thing we did in uh in um in Justice League where Keith. Bruce says that line about like when when Flash says, like, what's your power? And he's like, I'm rich. <laughs> 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 I always it's thought that was cool. Kind of crazy that no one decided to uh, genetically experiment on a Batman, like make make a Batman yeah, for another another version of Batman like t take a guy and hit him with some wolverine juice or whatever yeah. the fuck Oh, other animals him, just turn him into a superhero yeah instead of have him just be a rich guy give him some crazy genetic mutation something well, that they do to him that turns him into something but i think that and that, that is the thing I, I mean not to that extent but that's the thing that frank does and that's the reason why i wanted affleck because like to me batman's a big dude right mm -hmm. affleck's four, you know he's like a legit big dude and you know like in the shoes the shoes the boots are like two inches so like he's literally almost like you know six six in the in the costume mm. like when he comes out in the costume with that little bit of I mean we put some muscle on him and then there's a muscle suit under the suit and he's like it's a he's like legitimately a scary mm. looking thing. Mm. You know he's just like standing there and you're like holy shit Like, dude, the chin is so insane in that cowl. You know, he, yeah, I mean, look at him. He's like, you know, he's... I took that picture, by the way. Um, you know, he's like legitimately... Like, that's Batman to me. Ouais, moi, je suis d'accord avec lui sur la, le, le morphotype de Batman, quoi. Faut arrêter avec les Batmans qui font 10 kg mouillés, quoi. Kristen Bale, j'avais du mal. Les, heureusement, les films étaient vraiment bons. Mais Pattinson, c'est pas possible, quoi. Oh, carte-figue. Mange un peu Demande à Alexis, maintenant, il mange n'importe quoi. Mais ouais, pour moi, le morphotype, euh, le menton, la carrure. Euh... C'est pour ça que je veux à euh, Alan Rinson. Alan Rinson, il est parfait pour faire le prochain Batman. Putain. C'est dur, hein. Mais euh, franchement, je, je, je kiffe ce que dit Zach. Hein. Franchement, je, je me reconnais dans chaque mot qu'il dit. J'enlève je, absolument rien, quoi. Ah, rien, rien, rien du tout, quoi. C'est... Bravo, monsieur, quoi. Burger tous les jours, putain. Frère. Et là, par contre, on ne peut pas lui enlever que Batman, c'est littéralement un flex, il doit imposer la peur. Mais c'est ça. Mais tu crois que l'autre, là, le... And I, don't, I don't know, like, what... You no, know, Christian like, Bale's a great Batman. He's well. a great Batman, but he's still like, you know, you know, 5'10. You know? No, oh, it's 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 cool. I mean, not to be I'm yeah, not Yeah, that I'm not does being, mean so. I'm not being rude Was about Batman like, Giant in the comic books. In, in in some of the like in in Dark Knight Returns and in, in Frank's comics and like you know in the classics, he's pretty big dude. You know, he's always been mm -hmm. pretty like in Dark Knight Returns. If you look at Dark Knight Returns, you know, like he's there's a line like where he's trying to hold someone's gun and his finger can't get in the trigger guard because he's so big, you know, like like where he's like, you know, I, I like things like that, like where yeah. you're just like, he's like, he has this this genetic like gift of just being this big fucking dude, and other than that, you know, his parents were murdered in front of him, and he's also like a billionaire, so yeah. like that <laughs> that weird. Like, you, you want it to not be just one of those things, right? Right. You, it needs to be all of them in order for him to really to do what he can do. Ouais, c'était une super interview. Hein, pour ceux qui ne l'ont pas vue, si vous voulez la voir, à, si vous avez Spotify, je vous invite à, la, à aller la voir. Quoi. Alors, ce qui est intéressant aussi, alors, je ne l'ai pas vue. Alors, elle fait 15 minutes. Elle est un peu. Euh... Elle est un peu longue. Mais j'aime bien voir comment les, les internautes américains réagissent à ce genre de choses. Euh, là, je vois qu'il y a une réaction de John Campea. Vous voulez la regarder ou pas Enfin, c'est comme vous voulez. Moi, j'aime bien faire ça. Regarder euh, euh, les vidéos avec vous, pour avoir votre avis. Mais euh, j'aimerais voir euh, comment les gens réagissent. Parce que ça a été un truc hein, sur Internet. Hein. Ça a été un truc... Euh... Là-dessus... Euh... on Now, of course, there was a lot of, for different reasons, controversy surrounding the DCEU, uh, going right back to the beginning of them when Zack Snyder created what I believe to be the most underrated comic book film of all time, the masterpiece that is Man of Steel. I, I love that film so much. Now the controversies continued once he did Batman versus Superman, which raised a big question with a lot of fans. Would Batman kill people? Because there's a lot of people out there who believe that Batman would never, ever under any circumstances, no matter what ever from all of past to all of future ever kill somebody. And Zack Snyder is kind of like, well, this Batman does, which, which brought up a lot of debate. Now, Zack Snyder re-raised this debate, on uh, the Joe Rogan podcast the other day, when basically, you know, with headlines like this, we see that, you know, he's doubling down saying, Hey, listen, I just really believe Batman would and should kill. And he brings up a very interesting point. And, and here's why I think that what Snyder is talking about right here is relevant right now, because we are getting ready to start a brand new DCU and we're going to get a brand new Batman. And this question, I believe, is going to be a part of the discussion. Is this Batman going to be one that obviously is not looking to go out and mass murder people? But is this going to be a Batman that, given a terrible set of circumstances, this Batman would kill people? Now, Zack Snyder tells this really interesting story about how, like, when WB first was talking to him when they were getting ready to make Batman versus Superman, and they said, There's a rule Batman doesn't kill. Which, by the way, is not historically accurate. In the comic books, Batman has killed. Uh, we'll, we'll go into that in just a second. But they said, "Okay, Batman doesn't kill." That's that's uh, canon. And to which Zack Snyder kind of replied, and I'm paraphrasing: "It's like, well, like there're going to be situations where maybe Batman would have to kill." And some of the WB executives at the time said, "Well, just don't put Batman in a situation where he'd have to do that." And Zack Snyder took. Issue with that. And I got to, I take issue with that too. Because to say that Batman has this absolute code that he's deadly committed, <laughs> deadly, that he is fiercely committed to, he won't kill. But you're just telling me, as a storyteller, never put him in a situation where that might be the only option. Like to me, that's like, like somebody saying, I would never steal from the bank. But this is a person who has never been and never would be in a position where they even could so what value is there saying i have this code if you never or, or some man saying i would never touch a woman okay that's great that you live on an island with all men so it's great for you to say i have this code and and snyder took issue with that i said like what what are we doing here if we're just saying he does that but we're only going to accomplish that by never putting him in a position and you know what that manifested itself in man of steel when superman at the end Zack Snyder decided to put Superman in an impossible situation. It's him versus Zod. He knows that Zod is now proclaimed. My mission in life now is to kill every human being on earth. That's now my mission. I'm going to kill every, every human being on earth. And I'm going to start with this little family starting in the, standing in the corner. Superman won't be able to stop him. He'll be able to slow him down here and there. He'll be able to whatever, thousands, millions C'est intéressant ce qu'il est qu en train de dire, effectivement, là, John copéa pour le coup. Euh, J'ai vu deux, trois trucs intéressants. Socrate a une question vraiment, vraiment, vraiment très pertinente, parce qu'effectivement, mais ça c'est, je sais pas comment t'expliquer c'est ce qui me fascine dans le cerveau humain, cette réaction à géométrie variable et surtout comment le cerveau est capable de, de tu sais c'est ce que j'appelle ouais, c'est ce que tout le monde appelle un peu comme ça c'est vraiment la mémoire sélective. La mémoire sélective c'est ça. Le batman de Burton pousse le joker dans le vide mais il l'a pas tué! <laughs> n gare, n gare et pendant tout le film, il désingue des mecs. Je ne comprends pas. Le Batman de Bale aussi. Mais c'est fait d'une manière où... Si tu t'y connais un peu en médecine, tu sais qu'il a tué le gars. Sinon, c'est embêtant. Mais c'est vrai que cette, cette scène-là de Zod et de Superman, quand tu mets... En fait, il faut savoir jusqu'à quel point tu veux du réel. Si tu pars dans un univers d'ici un peu, moi je trouve que d'ici c'est un univers particulier. Je ne dirais pas féerique, mais il y a un côté un petit peu là la laine qui n'existe pas vraiment dans la réalité. À partir du moment où tu prends le parti, la direction artistique, de créer euh, un monde qui se rapproche au maximum du nôtre, There's no fucking way. There's no way at all Batman don't kill. Doesn't kill. C'est pas vrai. Il n'y a pas, je te jure, c'est impossible. Plus, plus on va se rapprocher du monde réel, plus Superman et Batman vont tuer. Si tu les mets dans le La La Land de, euh, comment dire, de DC, cette espèce de, de monde un peu futuriste, un peu merveilleux, c'est pas vraiment notre terre, tu vois. C'est une terre parallèle. Là, tu peux, tu peux, justifier le fait qu'il tue pas. Tu vois, tu peux, tu, tu... là, c'est que du ferme ta gueule, c'est magique. Allez, c'est bon. Mais là, les gens, ils sont. En fait, moi, c'est ce qui me tue avec les gens, c'est qu'ils demandent du réalisme. Ils ont demandé à Nolan de nous faire un Batman réaliste. Ils demandent à Snyder de faire un Superman réaliste. Bon, mais ben, accepte que ces gens-là aient une réaction réaliste. Alors, parce qu'ils veulent rester dans la la lande. Euh, ouais, non, il ne tue pas, c'est un c'est les gentils, les mignons, tout va bien, c'est génial. Et non, non, il le, il le fait sauter par la fenêtre, mais il ne le tue pas. Voilà. Euh... Va lire les Superman du Golden Age, tu vas comprendre. Superman, il prend des hommes politiques, il les jette par la fenêtre. Voilà. Il y a une. Pff... une espèce de dichotomie, il y a une espèce de. De, de contradiction, d'incongruences chez les fans, c'est un truc de fou. Ils ont, en fait, ils ont décidé de, de ils ont décidé de points de non-négociation, des trucs qui rentrent en contradiction même avec l'essence du personnage. C'est quand même fou, quoi. C'est quand même fou, quoi. Mais Batman peut pas être réaliste, Alexis. N'importe quel être humain qui serait Batman serait mort. Où il ferait une mission tous les 36 du mois parce que le reste du temps il serait là en train de guérir ses entorses, et, ses, ses, ruptures du talon d'Achille, ses, ses, fractures. fractures. C'est pas possible en fait. Or, he's got to kill Zod. Or, he's got to kill Zod. Superman did what Superman would do. He made the horrible choice to kill Zod because the only other alternative was letting Zod kill tons of other people. And I dois say. I agree with Zack Snyder on this—not not the Superman issue per se, but with the Batman issue—that Batman would kill. As a matter of fact, you don't even have to go that far back in comic book history; just back, like to the years of Jason Todd as as Robin. There was this one. I often go back to this one, but Batman's talking to Jason Robin. He says, "I'm not a murderer, son. Murder is the line we must not cross." To which Jason says you've killed before to which batman's response is in self-defense jason you're well aware that we play a dangerous game a game i perhaps should not have involved you in right? i shouldn't have brought my adopted son into this <laughs> I life of have a vigilante a child into what? a world of mass murderers go figure <laughs> hmm. oh the parental instincts of batman <laughs> um, i mean so c'est absolument risqué <laughs> Ça, non, mais je pense qu'on arrive à une ère où les teubés, on va commencer à les voir, en fait. Je pense qu'on arrive à une ère, on arrive à la, vous savez, on, a, on arrive à la masse critique de personnes qui sont assez intelligents pour voir les teubés. C'est-à-dire que les fans de Batman sont capables d'accepter que euh, Batman euh, embarque un gamin de 12, 13 ans avec lui dans les rues. Euh, ils sont capables d'accepter que ce gamin se batte avec des adultes et, il joue, il, 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 euh, et des adultes très, très, très dangereux. Ça, ça ne leur, leur pose pas de problème. Et par contre, ils ne sont, ils sont pas d'accord à ce que le fait que Batman tue pour défendre ce gamin. Je, je pense qu'on euh, est vraiment rentré dans Tubéland. Euh, ce n'est pas possible. Autrement. Clairement, il has. Killed in the comics, he has justified killing in the comics and stuff like that. And of course, now you then you can say, "Yeah, okay, John, that's fine." But recently in the comics, Batman has this unbreakable code. Okay, that's fine. But I've always I've always said this. Like I remember this one comic book story, and you you guys who have followed me for any period of time have probably heard me reference this story. But there was one comic issue I'm reading. This is very very representative of Batman. you tu sais quoi, minoy minoy C'est comme ça que je reconnais un vrai fan de Batman. Un vrai fan de Batman. Ne supporte pas la masse de teubés là. C'est la masse de teubés qui sont devenus fans de Batman depuis les films de Nolan C'est comme les footix dans le foot, c'est pareil. C'est les mêmes. Même race. Vous n'avez le... peut-être pas vu la vidéo que j'ai mise en, en, de... en début de live. Mais j'ai mis une vidéo où je montre des supporters marseillais qui sont en train de critiquer un joueur et qui sont en train de dire Ouais, mais tu devrais courir plus vite parce que dans FIFA. T'as 99 en vitesse sur ta carte de joueur. Est-ce que non mais est-ce qu'on n'a pas frôlé le pire de l'humanité en termes d'analyse C'est-à-dire que son cadre de référence c'est un putain de jeu vidéo et il transporte ça à des joueurs professionnels, des êtres humains. Moi j'en peux plus. Mais c'est comme ça que je reconnais un fan de Batman, Minoy. un vrai fan. Il ne supporte pas les autres fans de Batman. Batman's, you know, hunting down these thugs who hide out in kind of an abandoned, broken-down house, and one of them's upstairs. And Batman, of course, comes out of the shadows of the rafters, grabs the guy, and it wasn't quite a rock bottom, but it kind of looked like a Dwayne the Rock Johnson rock bottom. Heaves the guy up, or or uh, not the tombstone, but what's the one when? <laughs> When the Undertaker picks him up by one hand and then chokeslam. The chokeslam. It was kind of more <laughs> like a chokeslam. It was a cross between a, a rock bottom and chokeslam. He picks up this thug. On est d'accord que la meuf qui est sur le plateau, c'est la cousine de Vera de Scooby-Doo, And of course, he slams him so hard that, and this is an old decrepit house, the villain, the, the thug breaks through the floor and falls like 10, 12 feet onto the ground. And you hear you see Batman's thought bubble four broken ribs a ruptured spleen he'll be in traction for months it's like oh okay but you see the this is a representation of how the comic book writers cheat so batman can have this code because if you were to pick up a human being c'est tellement vrai ce qu'il écrit ce qu'il a dit là c'est mortel c'est-à-dire que en fait à batman il a il attrape un gars il éclate il lui fait traverser des des des, des sols des plafonds des, des des baies vitrées le gars tombe sur les tombe dans le dos il est, il est tombé de Quasiment une vingtaine de mètres, et en fait, tu as la, tu as la pensée de Batman qui dit c'est bon, il doit avoir quelques codes cassés, il va mettre des mois sans remettre. T'imagines le, le. Comment te dire Ce qu'on appelle la facilité scénaristique ou pas Alors que clairement, le gars, il est mort. Donc en fait, tu écris une bulle pour justifier que Batman n'a pas tué, en fait. Oh là là. And rock bottom them through a decrepit floor, down 12 feet, onto a concrete floor. Listen, a million things outside of Batman's calculations could have happened. A piece of wood could have been angled a certain way on the bottom, his head could have cracked on the floor first. All the basically, if that happened, that dude would have died. But the comic book writers cheat and they say, No, he doesn't die. He's just gonna be in traction. Batman can do everything that will kill people, but the writers just give him an out by saying, But he just hospitalized. They're them. fine. Yeah. And you know what? That's fine that's fine in the comic books you can do that in the comic books it becomes a much harder sell when you're trying to have any sort of to quote rob verisimilitude any sort of reality and so i am going to be perfectly okay if james gunn decides to adopt the modern interpretation of batman that under no, no set of circumstances will batman ever you know allow his actions to lead to the death of another person okay i'll be fine if james gunn wants to do that but I would also be fine if James Gunn decided to embrace a wider philosophy of Batman through the longer period of time of Batman, where it's like, look, yeah, Batman absolutely does not want to kill. But under certain circumstances, whether it's by accident because of his extreme violent nature or because of a no win situation he's placed in, that he does. And I happen to think Zack Snyder is bang on about this as we head into the new era. of batman and i know there's going to be a lot of people that disagree and that's fine i'm just telling you history of what they've done in the comics and what seems to me to make sense we want to take a second to thank a sponsor of today's video well voilà, i'm bon but so we finish because we talk about several subjects in general so it's like this in fact the legends who are not in agreement with the fact that batman kills in fact they have arguments that are even more explosive euh, en fait, ils ont des arguments qui sont tellement éclatés qu'ils sont pas en corrélation avec la réalité, quoi. Donc c'est ça. Donc j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Ouais, c'est ça, Socrate. Trauma crânien, mais pas mort. Tous les os brisés, mais t'inquiète, il est pas mort. C'est exactement ça. Dans les comics, je crois que c'est durant le New 52. T'as une ligue de gars défigurés par les mandales reçus par Batman. Ouais, 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 ouais. c'est vrai. C'est vrai. Mais moi, je suis pour un code où, effectivement, il veut ne pas tuer, mais il, 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 il va forcément se retrouver dans des situations où il va devoir le faire. <coughs> voilà, les gars, on va se laisser là-dessus. Parce que moi, demain matin, il faut que je me lève tôt, il faut que je mange encore. Là, j'ai fini mon jeûne intermittent dans 30 minutes. Donc, j'ai encore le temps de manger jusqu'à demain après 18h30. Je fais 18h30, 2h, 30 du matin. Voilà, c'est ma life maintenant. Bon, l'avantage c'est que quand tu fais le jeûne intermittent, tu peux pas mal manger ce que tu veux, mais j'essaie je, je, de manger sain. Je vais manger du saumon, je vais manger du poisson. J'ai envie de manger du poisson. Je suis un poissonnier moi. Voilà, voilà. Allez, jeunes gens, jeunes gens, jeunes gens, jeunes gens. Euh, si, si, chez Niladame s'il a déjà, oui, oui, oui. Chez Neil Adams, il y a déjà des, 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 des cassages de fenêtres, des trucs comme ça. D'ailleurs, je crois que le comics dont est tiré le, le passage qu'il a fait, c'est du Neil Adams. Hein voilà. Les dessins, ça ressemble à du John Byrne un peu, mais je pense que c'est le Batman de Neil Adams. Quoi. Donc, il admet lui-même Batman avoir tué par Légitime Défense. Donc, euh... donc voilà. Allez, les gars, vous avez eu deux lives pour le prix d'un. On va se souhaiter une bonne 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 soirée. Euh, donc demain euh, dimanche je ne serai pas là. Hein, vous avez le Superman Legacy. Je vous invite à, à potasser vos cours Superman Legacy ah, parce qu'ici, avec... ici vous allez finir par être spécialiste. Hein. Ah, vous allez sortir, vous en avez appris de tout. Là vous savez déjà reconnaître un symbole, quelle période, un costume, quelle période. mais là, vous... là ce soir vous avez appris euh les différentes versions de Jonathan et Martha Kent, vous êtes venir un collable. Hein. Dès que le film va sortir, vous serez des, des geekologues en chef. Hein? Ça c'est très bien. Allez, passez une bonne soirée. Euh, tu as déjà adopté le look Superman à la gun? Euh, non, je l'ai pas adopté. On m'a offert, euh... on m'a offert ma rédaction m'a offert ces t-shirts. Ça c'est un pyjama. Enfin, je m'en sers comme pyjama. C'est un t-shirt baseball quoi, tu vois. Et j'ai le t-shirt classique. Euh bleu avec Alors oui, j'ai par contre je kiffe le symbole. Je ne pensais pas le kiffer autant. Franchement, plus ça va, plus je vois des hard design, j'attends de voir le costume quand même de de David Coronet pour valider le truc mais je kiffe cette version moderne du S. Je kiffe le Kingdom Come, j'aurais pas kiffé qu'il fasse la rouge et noire par contre. S'il avait fait la rouge et noire, j'aurais pas kiffé parce que c'était pas respecter le travail de Mark Wade et de, de, de Alex Ross. Mais le fait qu'ils le mettent en jaune, quand il va passer en noir, ben, on sera vraiment dans l'histoire du deuil. Euh, voilà. Bon, après, ça reste un stop, mais bon. Je kiffe le nouveau design. Je kiffe le nouveau design. Je, je, franchement, mon préféré, ça reste celui qui est derrière moi. Là. Tu vois Mon préféré, ça reste celui-là. Euh, le S de Snyder, imbattable. Imbattable dans le sens euh, symbolique, j'adore les glyphes et tout, c'est magnifique. Et celui-là en troisième sans problème. Sans problème. Mais tiens, il, il a délogé le S de Fletcher. Avant, j'aimais bien le S de Fletcher. Euh, il a délogé le S de Fletcher et il est passé juste devant le S du Kingdom Come Non, il est passé. Ouais, juste devant le S du Kingdom Come euh, rouge et noir. Donc voilà. Je, je kiffe, je kiffe, je kiffe, je kiffe. Ciao Cap, ciao le chat, ciao tout le monde, Bonne merci à tous, passez une bonne soirée, passez un excellent week-end et on se retrouve à ben, bientôt, bye bye.